L'aventure dans laquelle nous nous sommes engagés a pour but de naviguer des plaines du Gardon à partir de Brignon jusqu'à la mer de Sainte-Marie-de-la-Mer en canoë, soit environ 150 km. La descente du Gardon fait 60 km, suivie ensuite de 25 km par le Rhône et pour finir 65 km dans le Petit Rhône. On a décidé de partir dans cette expédition un mois avant le départ, en juin 2020, pour des raisons qui sont sans doute une envie d'aventure et faut bien commencer quelque part. Gros. Enzo, mets-toi droit. Attends. Je vais remettre, regarde, viens vous voir là. Mais c'est peut-être mieux là-bas, hein. Ouais, on va essayer là-bas. C'est un BG? Un BG, ça va? En BG là, on va tomber. Ma casquette. Ah non, il y a un problème là. Eh les gars, problème là. Bon, t'inquiète, je retiens.
c'est la mort, c'est là-bas, mec. Parce que c'est la mort. Regarde ça, mec. Regarde ça. Oh mais là, ouais. Moi ce que j'ai peur en fait c'est qu'elle me saute dans la main. Encore un mec qui ramasse de l'or. Petites écrevisses. Au calme. Il est en train de se défendre là, c'est chelou. Là il y a un gros gros saut. Ça fait peur de ouf. Ouais. Ah je te vois. Ça le fait ou quoi Paul? T'as touché? Paul, t'as touché? Vas-y les gars, 3, 2, 1. Pas de...
Vraiment le goût ça passe. Le campement plutôt stylé. T'as mis ton briquet. C'est plein de gras. Allume maintenant. Bah non, je vais essayer d'avoir. Le poisson qu'on a pêché. Enlève l'abeille. Le feu. Ah mais tu filmes là? Ouais. Hey. Ah, je crois que tu as utilisé ta batterie. Bonjour. Ouais, je pense. Oh là là. Du coup, c'est le récap, petit récap de du la journée. Soir. Ouais, de la journée du coup. Oui. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de Brignon. On a commencé petit petit. On est allé jusqu'à Moussac, bon il y a un kilomètre. Puis alors, après on est allé jusqu'à Saint-Chapt et Russan. Puis là on a passé le pont Saint-Nicolas. Ouais. Tout à fait. Et on est. On est vers la Baume. Ouais, on s'est allé un petit peu plus loin, vite fait. On a tapé combien de kilomètres à Sagnac. On a tapé combien de kilomètres 25, je pense. 25 bornes, ouais. Oui. Et comme ça. À midi, on a graillé une bonne semoule. Bonne semoule, bien froide, qui nous a bien. Le premier jour a été un peu compliqué, là, un peu pour les bras, pour la fatigue. C'est vrai que c'était pas très. Pour les coups de soleil. Surtout pour les coups de soleil. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que ça va être un peu plus facile demain parce qu'on est là, c'était le premier jour, c'était un peu plus difficile parce qu'on n'était pas du tout au courant. Pour le mental. Voilà comment on va se passer. Mais là, on est à fond là, on va tout niquer. Et en espérant. On est à Koh-Lanta. Aussi, on avait attrapé à midi une écrevisse. Et ce soir, on a pêché un poisson là, un beau gardon comme ça là. Et ben on a mangé les deux. Ça a fait un petit plus sur nos soupes chinoises du soir. C'était nickel hein. Parfait. Le petit saucisson de Paul. Et les amandes et le thé. Un peu de fraîcheur. Hein. Tout est parfait. Un peu trop même. Un peu trop confortable. J'avoue que c'est très confortable. Très très confortable. Surtout quand on a un duvet et un hamac. Voilà. Après qu'on n'a pas un duvet, qu'on n'a pas de hamac. Et qu'on. Et... Bah, quand on a les deux, c'est pas plus mal, ouais. Après il faut savoir. Bon, bah du coup. Le confort. Hein. Le récap est terminé.